Étienne, Symphorien, Kalala, Banandaï. TV du peuple, RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botena Binobanso. Wanzo kuwapenzi, wananchi wote, na wasalimia nyinyi wote. Bana bitu, basuwe, moyo wenu, bonsoir. Mpangi ya Mundu ya Luzolo, mpangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo, moyanyo, che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, chers compatriotes, Bandeko Babotinko, Tokutani Lissoussou. Voilà, ma cambozami l'aîné. Tokutani, mais ezali pour la flash informatif. Obeminakou, Oyo Alingi, ministère de la justice, ezala likoloya. Il y a justice, likoloya, bas magistrat. Donc, peuple, à Kendaki, Tinanda, qu'on a investir, Ndakolaye, bomi, vitre, bomi, minda, heureusement, la police, bazalaki, obligé, tirer en l'air, qu'on a dispersé, peuple, à Kendaki, pour akota, na kati ya parcelle. Voilà, chers compatriotes. En même temps, Obeminako, Azalakité, Azalak na parlement, place ba manifestant mon souffle. Donc peuple, Azalak wana kon manifesté, mais bango bazalaki na kati ya ba commission ko examiner loi wana. Peuple, likamboyo ekolekate. Ezali likamboyo ya mabele ndenge tolobaka. Chers compatriotes, c'est maintenant ou jamais. On ne laissera pas passer cette occasion. On ne laissera pas passer cette loi pourrie. Ils sont restés là-bas 18 ans et ils ont permis à Joseph Kabila d'être là avec cette constitution-là qu'ils ont retouchée avec ces lois taillées à sa mesure. Eh bien, ça reste comme ça. Donc, l'exécutif est indépendant du législatif, indépendant du judiciaire. Voilà. Et c'est le respect de la Constitution. C'est que Obeminaku et son collègue Sakata proposent, c'est tout simplement une violation de la Constitution et une tentative d'un coup d'État. Voilà. Bandeko. Na zui, ba extrait à gauche, à droite, pendant qu'on a Kisabino, le ras-le-bol. Il y a peuple. Ras-le-bol, ça veut dire bol et tondi, hein, et tondi na mai. Jusqu'au bord. Ras. Donc rasé jusqu'au bord. Ras-le-bol. Donc ce qui balobi, ras-le-bol, ça veut dire y en a marre. Trop, c'est trop. Voilà, chers compatriotes. Total. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Bandeko Babolingo, Obeminaku, l'ancien président du Parlement sous la présidence de Joseph Kabila, l'aura cherché. Alors, d'après politico.cd, la résidence d'Obeminaku à Kinshasa a été investi par des Congolais déterminés à en finir avec lui. Voilà le titre. RDC tire et gaz lacrymogène autour de la résidence du député Obeminaku à Kinshasa. Les forces de police congolaises ont tiré en l'air pour disperser une manifestation violente autour de la résidence du député Obeminaku.
Voilà, flash urgent de politico.cd. Ça s'est passé aujourd'hui même, le 23 juin, hein, mardi. Hein. Alors, des dizaines de motards ont fait irruption ce mardi 23 juin aux alentours de la résidence du député congolais Aubin Minaku, grand cadre de la coalition de Joseph Kabila, dans l'ouest de Kinshasa. Dans des images parvenues à politico.cd, on peut voir une dizaine de motards scandant des paroles hostiles à Aubin Minaku, affirmant vouloir envahir sa résidence. Boyoki? Ah! Peuple! Peuple a kendaki ti nandakunae, les opérations te bindaku. Selon des informations de la police congolaise, des éléments commis à la garde de ce député, ancien président de l'Assemblée nationale, ont été obligés de tirer en l'air pour faire face à des jets de pierre et tentatives d'intrusion. Intrusion balinga qui parcourt dans quatre parcelles, voilà. On note des vitres et des lumières extérieures cassées. Babomi ba vitre, hein? Là, baminda ba cassé, on a résidence naï. Mais aucune victime n'a été déplorée jusqu'à présent, ni blessée. À la base d'une proposition de loi controversée autour des magistrats congolais, Aubin Minaku n'était pas à son domicile. C'est très proche de Joseph Kabila, se trouvait à l'Assemblée nationale où d'autres manifestants se présentant comme des militants de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, ont violemment manifesté. Dans un communiqué lundi soir, le parti du président Félix Tshisekedi, pourtant allié de l'ancien président Joseph Kabila, a menacé le FCC de lui opposer sa majorité populaire s'il ne retirait pas cette proposition de loi. Mais la coalition de Joseph Kabila n'entend pas reculer. Ce matin, l'Assemblée nationale s'est réunie dans le but d'analyser, entre autres, cette loi. Voilà, Bandeko, loi ya Aubin Minaku et Kolekate. Tokosala tout et les kate. Bisoyons ce simaya peuple. Ce qui bakiti n'a pas les du peuple. Donc, to supporter bango. Ils ont parlé du peuple. Parlé à Bakolo Nango. Donc, peuple à Kendaki Kuna. Ils ont parlé du peuple. Aboy Makambwana. Que ministre Moko Boye, ministre à FCC, ministre de la Justice, Azala Likolo ya. Il n'y a pas procureur, ben, il n'y a pas magistrat. Après ça, il y a injonction. Ah, mais non, jamais. La justice est indépendante. Donc, voilà, mes chers compatriotes. Maintenant, je vous mets les différents extraits du peuple qui s'exprime. Donc, c'est des extraits qui sont parmi les manifestants qui se trouvaient au palais du peuple. Pendant ce temps, d'autres manifestants se trouvaient à la résidence d'Aubin Minaku. Ça, je vous ai déjà dit. Ils ont cassé des vitres et tout ça. Eux, ils appelaient ça opération Toyebi Ndapo. Voilà. Regardons un peu les extraits. Et après, nous clôturons. Vous
En conséquence, au Bénin, Jeannine Makounda, d'ailleurs, cette femme qui n'est pas instruite, elle n'a pas même la tête que j'ai, mais c'est parce qu'ils ont été instrumentalisés par Kabila pendant 18 ans. Nous sommes en train de dire ceci. La justice doit être indépendante. C'est dans tous les pays. Ce n'est pas seulement en Amérique ici. Et d'ailleurs, nous sommes le seul pays au monde où il y a la coalition. Cette attitude de mauvaise volonté qui a été annoncée par Kabila pour se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont en train de jouer à la diplomatie d'ailleurs gauche pour prendre tous les peuples avec plus de 80 millions d'habitants en otage. C'est une provocation. Comme vous voyez cette assemblée, nous ne reculerons jamais. Nous sommes d'ailleurs mobilisés de par ailleurs, quoi qu'il en arrive, quoi qu'il en coûte. Nous ne reculerons jamais. Le combat de la libération congolaise continuera jusqu'à ce niveau. Il y a même les amis de l'étranger qui vont nous soutenir jusqu'à notre dernier soupir. J'annonce ce message à M. Kabila qui m'écoute. Même si la Cour pénale internationale est incapable de te poursuivre, même si tu es instrumentalisé, les fameux députés d'ailleurs qui n'ont pas été votés pour se maintenir dans ce pays, je vous annonce Kabila là où tu es. Le combat n'est pas ton pays. Tu finiras par tomber. Je te donne un exemple terre à terre du président Mobutu, le maréchal, qui a par ailleurs voulu se maintenir au pouvoir, il pensait être aux escaliers du ciel. Mais vous savez le sort de Mobutu. Alors, fais gaffe, il est temps. Si tu veux être en paix dans la joie, dans la vie, retire-toi de nos actions. J'annonce aussi au peuple congolais que nous ne reculerons jamais à partir de demain. Et d'ailleurs, je ne suis pas pressé, mais je l'annonce là-bas. Il y aura l'opération de Ebina. Là, c'est pour poursuivre chaque député qui ose nous mettre le bâton dans les rues, qui ose s'asseoir sur l'intérêt du Congo. Nous n'accepterons jamais ces signatures qui sont signées tout de suite, doivent être retirées pour l'intérêt des qui les sont privés. Nous ne sommes pas là-bas. Messieurs les journalistes, je vous remercie. Ok, merci. Tous les peuples, on a soi-disant la FCC. Comment on joue à en Altaï, au même temps, si c'est pas pour défendre le Parlement, et ça, sans c'est dans Mogani, à telle Afrique, à telle Côte, Mogani, où est la Maramoua, où est ma salle. Papa, le mot est la guerre, papa, la route est à maman. On dirait ceci. Monsieur le Président, Lucas, ça n'est pas le nom de votre émission.
Alors, chers compatriotes, au revoir, Boutikalamalamu, Benubikanambote, Wandugwapenzi, Tunamaliza, Tutaonana, Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benubikanambote, Betutamalana, Mbasi. Balambetu basuive, Shalaibib, Nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lengo amboshila.